Bonjour. Alors comme vous voyez, il y a une personne qui est donc coincée sur ce banc, dans le noir absolu. Donc à vous d'essayer de la guider jusqu'à ce portique. Je crois qu'on a quelqu'un peut-être pour vous aider à sortir. Bah, je suis assise mais j'ose pas bouger. Je vais essayer de vous aider à vous en sortir. Merci. Et je suis dans le noir total. Oh mon pauvre. Bon du coup je vais essayer de vous sauver. Tu peux te lever je pense. Je peux me lever juste comme ça. Droite. Non. Tournez-vous un petit peu sur votre droite. Vous tombez dans quelque chose. Ouais, ça doit être un siège. Maintenant, vous allez avoir un obstacle devant vous. À droite. Attention. Il y a un truc là. Donc elle passe par l'autre côté. Non. Non. Faites attention à vous. Oui. Vous l'enjambez. Faites un petit pas en avant. Avancez tout droit encore. Encore. Attention à la marche. Voilà, super. Et là, tu vas pouvoir sortir. Merci, je vais aider à sortir parce que c'est bloqué. Merci. Voilà. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est ça. Merci. Bravo. Je vous en prie. Bon courage. Merci, bientôt. Je peux lui faire un câlin, madame. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Jessica. Bravo. Quand on est arrivé dans le bus, on s'attendait pas du tout à ça. Et puis on n'a pas du tout imaginé deux secondes que c'était une personne non-voyante. Quand je suis revenue, je me suis dit, en fait, ça, c'est le travail du chien qui doit guider 24 heures sur 24. Au début, je paniquais parce que c'est vrai, j'ai toute ma vue et tout. Mais l'orientation et moi, on fait deux, en fait. Donc du coup... Ouais, le boulot qu'ils font les chiens, il est incroyable. Enfin, il en faut plus. Alors j'ai eu l'impression vraiment d'être dépourvue de mes moyens, je savais pas trop comment le guider correctement. Il faut des formations comme ça pour avoir plus de chiens pour toutes les personnes non-voyantes. C'est émouvant, enfin c'est assez... On voit bien qu'il y a quelque chose qui se tisse entre eux qui est très fort. Avec un chien guide, la vie prend forme. Plus d'informations sur avecmonchienguide.fr.